c'est Luffy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Brawl Star. Alors là il n'y aura aucun gameplay, je vais juste un peu vous informer qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines et de faire un peu de pub à mon plan. Ce web est tout simplement super, voilà, je vais pas vous le cacher, il est vraiment bien. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas, les trophées requis sont de 8000 tiers. Alors c'est vrai qu'on augmente assez souvent tout simplement à ce qu'on joue le top FR. Par exemple si on regarde un peu le classement général dans les clubs, on est 114e FR en ce moment. Alors voilà, franchement si vous êtes un bon joueur qui voulait venir, n'hésitez pas. Aussi ils me soutiennent beaucoup dans ma chaîne YouTube, donc franchement on remercie à eux. Alors je vais un peu vous présenter toutes les personnes de ce clan. Voilà. Donc nous avons Aucune Magma qui est notre président, qui a plus de 14 000 tiers, il vient de les passer. Alors, on peut voir quand même qu'il a un profil qui est quand même bien. On va pas se le cacher. Une Shelly à 700, un Croc voire 6 à 661, un Bull à 597, un Beau à 566. Et franchement, voilà, franchement c'est un bon profil en sachant qu'il y a que son tick qui n'est pas encore à 500, sinon tous ses voleurs sont au-dessus de 500. Donc, franchement, c'est lui le chef de ce club. Il est très actif, il organise des tournois. Parfois on se fait des tournois, parfois on se fait des mini-jeux, mode zombie, etc. etc. Et franchement, c'est très sympathique, c'est un clan très actif. J'ai jamais vu un clan aussi actif, donc je tenais quand même à les remercier. Il faut savoir que j'ai découvert grâce à un abonné qui a vu le jeu avec moi. Il n'y avait pas de problème de dire dans mon plan. Il m'a dit non, viens plutôt dans le mien. J'étais venu au début juste pour le mettre en ami. Puis comme j'avais pas forcément de plan, je me baladais un peu dans le club. Je suis resté. Franchement, je suis plutôt content parce que il est vraiment bien ce club. Franchement, il est très très bien. Je vais vous informer, pendant 3 semaines il y aura moins de vidéos, à partir du samedi il y aura moins de vidéos, voire pas du tout. Enfin, ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire que j'arrête YouTube, loin de là, ça veut juste dire que je fais une pause parce que je pars en vacances. J'espère que ça vous gêne pas trop, désolé mais c'est comme ça, je vais essayer de vous en sortir quelques-unes, mais malheureusement je vais pas pouvoir en sortir tous les jours et je vais pas pouvoir en fait en mettre pendant les 3 semaines. Donc voilà, je suis un peu désolé là dessus j'espère que ça va pas trop vous gêner. Sinon il y a plusieurs personnes dans le club qui ont une chaîne YouTube, donc j'essaierai de vous mettre plus de liens pour accéder à leur chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, franchement ça me fera plaisir et ça leur fera plaisir. Je leur dois bien ça, franchement c'est très gentil. J'ai déjà joué avec plusieurs joueurs de ce clan. Ils sont vraiment très forts. Ils sont plutôt pas mal de bons joueurs. Après comme on peut voir, il y a des personnes qui sont encore assez basses. Hein. Le plus nul il est à 6620. Après faut comprendre, il a été en ligne, il n'est pas forcément rush, il y en a qui sont en vacances, hein, c'est un peu normal. L'entrée est à 8000. N'hésitez pas à postuler. Hein. Le but, voilà, ça va être d'augmenter. Ça serait bien d'être 100e FR un jour. Donc vous voyez, il y a pas mal de personnes qui sont sous les 8000 tiers. Mais il y a quand même pas mal de personnes hautes. Hein. Si on regarde, on peut voir que moi déjà, je suis 9e. Sans que j'ai quand même 11048 trophées. Ce qui est pas mal en soi. Hein. Ce qui reste correct. On peut voir voilà du 14 000, du 13 142, du 12 361, etc. etc. On peut voir qu'il y en a pas mal qui sont dans les alentours de 10 500, 11 000. Donc c'est plutôt cool. Après, moi, petit problème, hein, je vais avoir le petit reset sur mon pro. Du coup, ça va me faire perdre pas mal de tiers. Sinon, mon Léon, ça va, pas perdre trop de tiers. Mais mon pro, c'est vrai qu'il va descendre à 650 trophées. Sachant que je vais louper aussi une saison comme je partirai en vacances et je vais perdre quand même pas mal de trophées
Normalement, je devrais en perdre pas loin de 250, donc c'est quand même assez confortant. Je vais essayer de rush un peu hein, pour rester au-dessus de 11 000 trophées. Donc voilà, MindMail, il a une chaîne YouTube, ça je le sais. Sinon, on a le Dynamoxide qui en a une. Il a déjà mis des commentaires, je sais plus comment s'appelle sa chaîne YouTube. En tout cas, je vous mettrai le lien en description. Sinon, voilà. Comme il y en a qui vont un peu critiquer, ouais, l'entrée c'est quand même à 8000, moi j'en ai pas autant. Vous avez juste à taper sur ce des clubs Oxide eSport 2. Voilà, il y a un deuxième clan. Je suis jamais allé dans ce clan là. Je sais pas s'il est autant actif. Tout ce que je peux vous dire, c'est voilà, il a moins de personnes. Vous voyez que son entrée est assez entière. Du coup, normalement, vous pouvez y aller. Hein, vous pouvez y aller quand même. Il y a le deuxième compte d'Oxide Alter hein, qui est connecté là. Voilà, il y a son compte principal. Il est à un peu plus de 8000. Du coup, il a deux comptes. Et c'est lui le président. Et donc, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Sinon, on a aussi le Discord. D'Oxide eSport, je leur demanderai si ils veulent que je le mette en description, s'ils veulent bien je le mettrai, n'hésitez pas à le rejoindre, hein, c'est toujours bien. Et c'est vrai que ce clan est vraiment très actif, qu'il y a des tournois. Encore, malheureusement, je ne vais pas pouvoir participer à un tournoi de Brawl Ball parce que tout simplement, voilà, je vais partir en vacances. Mais sinon, vous pouvez voir le tournoi de vendredi, phase de poule, série A. Ultimate Lulu, etc, etc. Donc ça c'est bien. Franchement, rien que je me répète beaucoup, mais ce clan est l'un des clans que je trouve le plus actif. Hein. Je suis allé dans plusieurs clans, même des clans quand même assez hauts qui sont dans le top FR. Ils sont pas aussi actifs. Il y a une bonne convivialité, donc je tenais quand même à faire un peu de pub parce qu'ils ont été très gentils avec moi, ils m'ont très bien accueilli. Donc voilà, je vais pas parler trop non plus parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Mais voilà, donc pour récapituler, Oxide eSport c'est un très bon clan, vous pouvez le rejoindre. Si vous n'avez pas assez de trophées, n'hésitez pas à rejoindre Oxide eSport 2 qui n'est pas encore plein. Faut en profiter, faut essayer bah, qu'il soit plein hein, parce que c'est vrai que celui-là est un peu plus connu, mais Oxide eSport 2, si vous pouvez pas forcément y aller dans celui-là, n'hésitez pas à y aller. Sinon, voilà, pendant 3 semaines, les vidéos sortiront moins, voire pas du tout, faut pas s'inquiéter. Abonnez-vous. On va bientôt fêter les 100 abonnés, j'aimerais bien les fêter avant que je parte, je pars vendredi. Donc abonnez-vous, ça me fera extrêmement plaisir. Il me manque quand même 16 abonnés en ce moment là. Je tourne la vidéo et sinon bah tant pis, on les fêtera quand je serai en vacances, dès que je rentrerai. Voilà, du coup je vous dis à plus et à de prochaines vidéos. Je tiens à dire que le Rush Pro arrive bientôt, comme vous pouvez le voir il y a 800 TR. Ne vous inquiétez pas, ça arrive, ça sera dans les prochaines vidéos. Moi je vous dis à plus et bye bye.